Le fruit que j'adore, vous savez que je ne suis pas très pro-fruit parce que les fruits contiennent de la fructose, mais il y a un fruit qui est super important, qui n'est pas très cher et qui améliore le microbiome, améliore votre énergie et vous aide au niveau de votre rajeunissement. C'est le fruit, vous le connaissez bien, mais personne ne connaît toutes ses vertus. Je vous en parle tout de suite. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement, longévité, et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, ce fruit, c'est le kiwi. Alors, pourquoi j'adore le kiwi? Alors, je parle du kiwi vert, pas le kiwi jaune qui est très trop sucré. Mais le kiwi vert contient très peu de sucre relatif, donc il n'est pas délétère au niveau de son apport en sucre. Par contre, il contient beaucoup de bonnes fibres que j'adore, que votre microbiome va adorer. Vous savez que votre deuxième cerveau, qui fabrique autant de neurotransmetteurs, d'hormones que votre cerveau, même plus pour certains, certaines hormones, c'est 80% sont fabriquées par votre microbiome. Ce microbiome, il faut bien le traiter. Alors pour bien le traiter, il faut lui donner à manger. Alors il adore. Vous savez que vous avez plus de bactéries, de bonnes bactéries dans votre microbiome, ça pèse jusqu'à plus d'un kilo. Hein. Et donc, quelque part, vous avez un kilo de bactéries, vous avez plus de bactéries que de cellules dans votre corps. Hein. Ça se compte en trillions, milliards de milliards. Donc, quelque part, ce qui est important, c'est de leur donner à manger. Et ces bactéries ne mangent qu'une seule chose, elles adorent. Si, elles mangent beaucoup de choses, et si vous lui donnez les mauvais aliments, elles vont mourir. Mais elles adorent les fibres qui sont difficiles à digérer, ce qu'on appelle les fibres indigestes. Et le kiwi en contient beaucoup, et le kiwi va nourrir ce microbiome qui est si important. Beaucoup de gens se sentent mal, ont un problème inflammatoire, ont des douleurs, etc. Et beaucoup de ces problèmes sont liés à ce qu'on appelle le leaky gut, hein, le syndrome de l'intestin poreux, où finalement il y a un certain nombre, votre muqueuse intestinale est poreuse et vous avez des particules qui traversent et donc qui créent une inflammation, hein, une espèce d'immunité mauvaise. Hein, cette immunité mauvaise qui a cette inflammation, elle est délétère pour vous. Hein, donc il y a la bonne immunité et la mauvaise immunité. Ça, c'est la mauvaise immunité qui est mise en route par ce phénomène d'intestin poreux. Et pour avoir un bon intestin, avoir un bon microbiome aide à avoir une muqueuse intestinale en bonne santé et les fibres sont super importants. Alors j'ai dit tout, bien sûr, hein, il faut aussi avoir une diversité dans votre microbiome. Je parle beaucoup dans mes vidéos du kimchi, de la choucroute, du kéfir, voilà, qui sont des super super apporteurs de bonnes bactéries au niveau de votre microbiome. C'est méga important, hein, le kéfir, surtout de lait de brebis et de chèvres sont top. Voilà. Essayez d'en acheter du bio, allez dans les magasins bio, trouvez ce kéfir, mais un kiwi tous les deux jours ou tous les jours, voilà, c'est ultra simple, c'est pas très cher et ça va vous changer votre vie. Il y a des gens qui ont fait des études qui montrent quand on prend un kiwi pendant un mois, tout ce qui se passe au niveau de votre microbiome, c'est absolument génial. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi vos commentaires, les petits boutons, notifications, abonnements, etc. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Thank you.